je piège une michetonneuse la veille de son mariage. Si tu mourrais demain, genre tu serais bien quoi. Ah ouais. C'est pas les grands moyens non plus, mais il y a quand même 40 personnes. Elle a dit qu'elle voulait faire une danse haïtienne. Salut internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je pense que vous allez kiffer parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Et on va la réaliser aujourd'hui. J'ai une boîte Rolex, d'accord. Donc dedans il y a une vraie Rolex, regardez, on ouvre la boîte. Hop, on a une vraie Rolex ici, d'accord, elle est là, elle est magnifique. C'est une date just. Il y a le certificat ici, il y a la carte authentique de Rolex. Donc voilà, on a la Rolex ici, d'accord. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer dans un quartier chaud. On va s'y rendre avec la montre. Et on va voir leur réaction. Donc la montre, je vais la prendre, je vais la mettre au poignet. Et je vais juste passer dans le quartier, au milieu des jeunes, s'il y en a. Et on va voir s'ils me branchent, s'ils veulent me faire des problèmes, s'ils veulent me voler. Donc les gars, je vous demanderai à tous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que même moi, je sais pas comment elle va se passer. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un like, etc., etc. Nous, on va se mettre en place dans le quartier, on va cacher la caméra, on va mettre la Rolex et on va foncer dans le tas. Et on va voir comment ça se passe. On prend énormément de risques parce que c'est une montre aujourd'hui qui vaut... celle-là, elle est entre 7000 à Rolex et 10000. En revente, donc voilà, on a quand même l'équivalent de 10 000 euros dans la main. Si je perds la montre, j'ai perdu 10 000 euros, donc la vidéo elle m'aura coûté cher. Voilà, donc soyez indulgents et si vous avez kiffé le concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous avez des idées, on les fera également. Donc là, on va mettre la montre, on va se cacher en caméra cachée, on va aller dans le quartier et s'il y a des jeunes, on filme tout. Et je vais aller les voir. Bon les gars, depuis tout à l'heure on a fait le tour du quartier, on n'a pas réussi à trouver vraiment beaucoup de jeunes. Là j'en ai trouvé un qui est sur son téléphone. Donc je vais aller passer devant lui, de toute façon j'ai pas le choix, il n'y a pas grand monde. Je vais passer au milieu et puis on va voir comment il réagit. Excuse-moi. Ouais. Tu cherches un truc? Non, je suis là, je passe tranquille. Non, même pas. Pourquoi tu es habillé comme ça? Parce que je rentre du travail et que je passe par là pour rentrer chez moi. J'habite pas ici, on te connaît pas nous ici. Non, j'habite pas ici, mais je passe par là pour rentrer chez moi. Bah, je t'ai jamais vu ici, moi je suis tous les jours ici, je t'ai jamais vu. Je passe. Je fasse demi-tour, je fais demi-tour. Non, laisse ici. Pourquoi? Tu travailles dans quoi? Non, je travaille dans le service banquier et tout, enfin tu. Oh, bien la Rolex, hein? Bien, ouais. Fais voir. Elle est belle. Bien, c'est une vraie? Ouais, c'est une vraie. Tu as payé combien? 10 000 celle-là. 10 000? Ouais, elle coûte 10 000 euros. Je vais te laisser, je dois y aller moi. Bah, essayer de la faire essayer. Non, je peux pas te la faire essayer, la montre frérot, je te connais pas. Imagine. Je te passe la Rolex, tu la mets, tu pars avec. Moi, oh, j'ai une tête de voleur. Non, j'ai pas dit ça, frère. Mais voilà, tranquille, vas-y, de toute façon, je passe pas par là, je vais, je rentre, ok? Je me taille. Pourquoi tu siffles? Venez, les gars, venez. Pourquoi tu siffles? Attends, c'est pourquoi tu siffles? Pourquoi tu siffles? Pourquoi tu pars? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? C'est quoi le son? Bon, t'as sifflé. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu siffles? Y'a pas les condés? Il a une Rolex. C'est la Rolex. Il a son poignet. Non, c'est du fait, les gars. T'es l'adresse. Eh, gros, tu fais quoi, toi, là, ici? Je sais pas, en fait. Je vous explique, moi, j'étais juste, je finis le travail. Ouais. Et comme je sais un raccourci pour rentrer chez moi, je suis passé par là, enfin, voilà. C'est tout, t'as jamais vu. Ouais, mais des fois, parce que des fois. Je vous passe par là et y'a pas forcément là, toujours. Il y a pas un seul moment où on n'est pas là. Donc, tu sais quoi? Mais c'est bon, les gars, ça cherche pas trop. Ouais, mais y'a pas. Déjà, maintenant, tu es là. Moi, je vais bien essayer, par contre. Il veut pas. Non, on a pas passé bien, fais voir. Tu me la rends après? Non les gars, si vous allez pas me rendre la montre, si je vous la passe, vous allez pas me la rendre. Mais si on va te la rendre, pourquoi on a des têtes de voleur tous? Comme tu dis, c'est un voleur. Je suis un voleur. Donne la montre. T'inquiète, ça va même pas les faire ou quoi? Non mais il fait des manières juste pour une montre. Genre on l'essaye, après on part, c'est bon. Ah mais ça va. Tranquille, regarde. Attends, je vous la fais ici, mais vous la rendez après. Vas-y, donne, t'es sûr. Tiens. Je suis con ou pas? Je vais c'est vrai aussi. Pourquoi il y a une numéro? Regarde, il est là, normalement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, regarde.
Attendez, attends. Voilà, bien joué. Voilà, bien joué. Pas de tarte, mais. Ouais, je t'ai quand même. Ah, mais t'inquiète, après, on va te démarrer. On va bien la couleur. Hein. Merci, ouais, bien fou, ouais, merci. Ça coûte combien ça? Ça coûte combien? 10 000 euros. 10 000 euros? Mais les gars, la garderie pas là-bas? Non, commence pas, frérot, vas-y. Non, c'est pas l'artiste. Regarde, c'est économie, frérot, c'est un cadeau. S'il te plaît, vas-y, marié, t'as des enfants? Non, mais c'est un cadeau, frère. Voilà. T'es marié, t'as des enfants? Mais j'ai pas d'enfants, mais voilà, je suis marié, quoi. Je m'en fous. Je m'en fous que tu sois marié avec des enfants, quoi. Maintenant, la montre, elle est sur mon poignet. Tu la touches plus, simple. D'accord? Je suis pas une fatigue. Tu es un banquier, tu travailles dans quoi? C'est un banquier. En plus. Frérot, s'il te plaît, regarde, je t'ai fait confiance, rends-moi la montre, s'il te plaît. Pourquoi tu vas lui rendre en plus? Fais demi-tour. Comme ça? Qu'est-ce que je fasse, Reder? Non. Qu'est-ce que je fasse, Rémi? Ils m'ont pris, moi, je suis dégoûté, frère, en vrai. Mais attends, frère. Tu vas leur laisser leur rôle comme ça? Rémi, qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse? Dis-moi. On y retourne, on appelle tes collègues, on y retourne, frère. Oh, 10 000 euros, frère, la Rolex, t'es sérieux? Tu leur laisses. Frérot, on va se faire. Ils sont 4. Moi, on va se faire dépouiller, même si on y retourne à plusieurs gens, c'est pas des gens qui délirent, gros. C'est pas un quartier de rigolo, frère. T'as une solution, moi, j'en ai pas. Quand même. C'est pas une question de pute, c'est une question qu'il faut être intelligent à un moment donné. Oui, mais on va pas y retourner à deux, se faire éclater. Là déjà ils m'ont laissé la chaîne. Oui, mais ils t'ont laissé la chaîne. Ils ont même pas vu la chaîne. On la met dans la voiture la chaîne et on y retourne, on appelle des collègues, je sais pas. En fait tu vas pas leur laisser une 10 000 euros. J'ai pas envie de leur laisser, mais tu veux quoi? T'as une solution? On va appeler des collègues, alors regarde, je t'explique le topo comment ça se passait. On va appeler des gens, ils vont y aller, on va y aller avec comme d'habitude, sauf que là c'est pas un quartier où il y a pas beaucoup de monde, c'est un quartier énorme. C'est un des plus grands quartiers de Marseille. C'est un des plus grands quartiers de Marseille, frérot. Ça veut dire que si on y va, après, ils seront toujours plus nombreux que nous. À part si tu connais un quartier entier à ramener, si tu connais à peu près 100, une centaine de personnes. Oui. Ouais, ça dépend, frère. Ouais, moi non plus. Donc, il n'y a plus de Rolex. Le constat, il n'y a plus de Rolex. Il n'y a plus de Rolex. Tu as la Rolex. Et tu n'as même pas au Condé ou quoi? Ouais, rien faire. Je vais faire quoi? Je vais dire quoi au Condé? Ouais, ils m'ont volé la Rolex. On va leur montrer les images. Je crois même les Condé, ils rentrent pas, frère. Là, c'est bon, viens, c'est vrai. T'écoute. C'est bon, frérot, arrête la vidéo. On arrête tout comme ça, frère. Arrête de filmer, ça on est d'accord, c'est un quartier. Les amis, si vous trouvez que l'idée de Reder est bonne, allez sur le Telegram qui s'affiche en bas. On va mettre un petit sondage et vous me dites vous ce que vous en pensez. Et si vous pensez à majorité qu'il faut y retourner et de faire l'idée de Rémi, vous nous le dites et on y retournera. Voilà. Le Telegram est dans la description, les gars, et voilà. Bon, on va faire ça. Hein. C'est le mieux, frère. Il n'y a que ça, de toute façon. Sinon, tu ne retrouves pas la Rolex. On rentre, on attend quelques jours. Dès qu'on voit le sondage, ce qu'ils disent les gens, on va y réfléchir à tête reposée, tu vois, parce que là, je suis encore dans le truc. Mais si on trouve que c'est la meilleure solution... Parce que eux, ça va vite, ils la revendent tout après. Je sais. Ils vont pas la garder, ils s'en battent les couilles, ils veulent juste de l'argent. Bon, les amis, allez sur le Telegram, allez voter si vous voulez que oui ou non, on y retourne et que si l'idée de Reder est bonne. Nous, on va se reposer, on va réfléchir à tête reposée et on verra ce qu'on fait. Voilà, ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. Moi, en tout cas... Je suis dégoûté, gros, je viens de perdre 10 000 euros. Il y en a, ils perdent 50 euros, ils sont dégoûtés. 10, moi, je viens d'en perdre 10 000, alors mettez-vous à ma place. Voilà. Ciao.